L'État de ce pays abandonne le peuple. Et je l'assume, je profite de cette occasion pour présenter mes excuses à la population et je présente mes excuses à tous les Haïtiens, à toutes les Haïtiennes qui se trouvent dans de pareilles conditions. Et nous sommes prêts, moi, que vous avez voté, que vous avez donné mandat, que vous avez donné le pouvoir de vous diriger. Je suis en train d'exercer le pouvoir maintenant et je vais le faire. Courant pas fait pour la ville seulement, il est fait pour vous-même. Cap vivre loin. N'a pas travail pour nous porter courant, mais pas oublier, ça me toujours dit. Courant pas gratis, faut nous payer. Yo, l'autre fois, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media dans là, depuis Mombad Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Media Now et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Media Now là. Bien nous va pas perdre temps, n'a commencé. Cool yeah.
son l'autre plaisir encore pour moi, pour me dire auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, tout le monde qui a regardé nous sur les médias en ligne, pour me saluer, pour me dire que le département ça, son département qui était rayé de cadre d'Haïti. Ça veut dire son département que tout le monde est oublié. C'est pour ça, par exemple, l'un des points décisionnels dans Grandos. Après, le monde te demandé pour qui ça c'est Grandos. Eh bien, c'est même genre, parce que le département Grandos, c'est son département qui a été oublié. Et je dis à nous, Ville Jérémy, qui ont surplus en matière de capacité de génération d'énergie. Et déjà, qui là, je connais que il y a des transformateur, c'est ça déjà qui vient pour entrer. Oui, c'est ça, ça. La semaine prochaine. Qui a pas entré pour Jérémy, qui a permettre, parce que jusqu'à présent, Jérémy, dans cinq groupes, nous avons ces deux nous utiliser. Il y a trois pocos qui a utilisé parce que le transformateur qui est pas capable de permettre que les trois groupes soient utilisés. Nous tout profiter de dire, Jérémy, j'ai nous dit que son boucan n'est pas dans le bouillon. Hein. Automatiquement, nous recevons un transformateur neuf, ça, yo. Nous pas qu'à toute ville là, 24 heures sur 24. Oui, 24. Voilà. Et objectif nous dans la visite, je parle de Jérémy pour qui ça, c'est parce que, faut ne pas oublier, c'était deux zones, disons deux grandes villes dans le pays. Pour une raison ou pour une autre, que vos décideurs politiques ont abandonné. Je voulais parler de la ville de Jérémy et de la ville de Port-de-Paix. Jérémy a un aéroport, disons, un aérodrome 1350 mètres je dis, avec 25 mètres de large de piste correct. Il y a une route qui mène vers Aodouam dans toute ville, Jérémy, presque, je dirais, pour ne pas dire à 90%, il y a un revêtement, il y a asphalté. C'est même genre nous dans notre ouest. La ville de Port-de-Paix, je dis, hein, nous connaissons un pile problème, un pile monde qui ouais, un problème. Mais nous travaillons dans le système drainage ville là depuis un an, depuis le mois de décembre, je dirais, 2019. Nous commençons à travailler réellement en janvier 2019. Corona vient arriver, nous pas camper, nous continuons à travailler. Aujourd'hui, nous on visite de chantier. Mais pendant nous avons visite de chantier, on profite de tout le monde dans le bas nord-ouest, ministre des Travaux publics qui avec moi là. On profite de 10 personnes dans le bas nord-ouest. Nous sommes dans le bas nord-ouest, ça veut dire dans la commune de Mont-Saint-Nicolas hier. Et songez, nous sommes dans la commune Zadou. Week-end passé, c'est pour me dire que nous pas abandonné les gens dans le bas nord-ouest surtout. Je voulais parler de monde qui sont sous commune BDN, Bombardopolis, Mont-Saint-Nicolas, Jean Rabel. Nous avons travaillé pour que nous croyons que le bateau là, ministre, c'est ça, un bateau oui, qui porte de paix là, qui vient passer prendre des équipements, lourds pour descendre, à compléter l'autre équipement qui gagne dans Mont-Saint-Nicolas. Pour nous, le travail sous zone qui est le monde qui sont gros défis pour le monde BDN, qui sont gros défis pour le monde Bombardopolis. Pour nous, le travail sur route qui sortit Mont-Saint-Nicolas en passant par Cafou, Matita, passer par Damé, passer par Côte de Fer pour arriver à Marouge. Pour nous, le travail sur route Marouge qui tombe Jean Rabel, route Jean Rabel qui est le bord de mer de Jean Rabel, route Bombard qui est le Mont-Saint-Nicolas et route Mont-Saint-Nicolas qui est allé vers Bord-de-Mer de Jean Rabel. Et sans nous pas oublier, route Jean Rabel Port-de-Paix qui me passe là dans le matin à 1h du matin, mais qui nous était très mal. Et là, nous, dans la centrale, je voulais parler de nouvelle centrale électrique hybride. Nous connaissons que EDH a commencé, première centrale électrique hybride, qui était faite dans le marchand des Salines. Nous connaissons, bon, quel bon travail qui fait les IWA, ça c'est un essai avec des groupes d'entrepreneurs. Mais pour centrale marchand des salines, non, les grandes quantités solaires et les grandes quantités diesel là-dedans. Ça veut dire le soleil là chaud de, entre 8h30 du matin et 3h30 de l'après-midi, bon capacité courant qui génère dans la zone marchand des salines, c'est soleil là qui baille. Et bien c'est même pas là, là à côté de nous hier, qui pour aller répliquer, nous parlons faire une sorte de travail ici là qui peut permettre que centrale ça, côté de campé là, moteur qui DM, son groupe de 2 MW
Je crois qu'il y a 4 groupes comme ça, ça veut dire qu'il y a 8 MW installés ici là, de diesel. Mais nous avons gagner, non premier temps, 2 MW, c'est ça déjà, de solaire. 2 MW de solaire installé, qui pourra comparer 8 MW ça pour faire 10 MW. Et 10 MW hybride ça, solaire et diesel, il va l'alimenter la commune de la Safouleur, la commune de Saint-Louis-du-Nord, la commune de la Pointe des Palmiers, la commune de Port-de-Paix, la commune de Chansol et la commune de Bassin Bleu. Sans pas oublier, mon ami, mon cap jalousie, mon obéir, mon tifon, tout, mon a bien quoi. Mon a osé, mon des garçons, mon petit boucan, mon champagne, mon bonneau, mon berger, mon villasso, mon citron, mon baudin, pas tout le monde qui est sur route là, on va y avoir accès à l'électricité. Mais pas oublier, ça me l'a dit nous tout, électricité, nous-mêmes l'État n'a pas travaillé pour mettre le disponible, mais il faut payer. Parce que sous le courant, le directeur général de l'IDHA, il n'a pas fait effort sur ce qu'il fait aujourd'hui à la ministère publique. Il n'a pas fait effort sur ce qu'il fait aujourd'hui. Central Jardin, qui l'a commencé? Le 16 octobre. 16 octobre. 16 octobre 2019 ou bien 16 octobre? Non, 2020. Ah bon? Ça a dit 16 octobre 2020, nous commençons au central. Aujourd'hui, le 5 décembre 2020. Ça a dit 16 novembre font mois. Je dis à 5 décembre, on a contrôlé combien de jours. Là, il y a une volonté. Là, il y a une équipe. Songez, depuis le rive président, son seul bail m'a dit, je vais mettre le courant dans le pays et je vais mettre le courant 24 sur 24 dans le pays. Mais tout le monde, nous connaissons. Le monde qui ne parle pas de parole, ça, il était toujours à dire président, ça a un problème. Tout ça l'a dit. Je dis en réalité, on centrale 10 MW. Ça veut dire combien de temps nous étions là déjà central. Bon, pratiquement, nous avons fin mois. Fin décembre. Mais à la rigueur, s'il y a des petits retouches que vous faites, avant de finir. Ça veut dire avant septembre, vous pouvez central ça. Non, absolument. Ah bon. Ça sont une bonne nouvelle. Absolument. Moun, j'ai dit, moun, en sa fouleur, si on lui dit non. C'est dans le réseau de travail. Et dans le réseau de travail. Oui, dans le réseau. Ah bon. Ça veut dire nouvelle yo, DGA. Les vignes à d'Azul, d'ailleurs c'est pas la première fois là, ça fait peut-être troisième voyage là. Et les vignes avec Julie, il a annoncé nous tendons, en 27 février 2021, les autres dire, centrale ça, l'a bien tant qu'à marcher pour alimenter communément sur Dio, en sa foule, Saint-Louis-du-Nord, La Pointe, Port-de-Paix, Chansol, Bassin Bleu. Ça veut dire, on fait un petit exercice. 16 octobre, 16 novembre fait un mois, 16 décembre fait 2 mois, 16 janvier fait 3 mois, on a dit sous 3 mois et demi, ça veut dire 105 jours, mais qui sont un groupe haïtien qui veut faire. Et c'est même électricité d'État d'Haïti. C'est pour l'autre électricité d'État d'Haïti qui est dans le ciel, non, qui tombe sous terre. Même électricité d'Haïti que nous tous te connaissons. Électricité d'Haïti, ça, côté tout le monde te prend, il te séparé en miettes. Chaque monde te gonti EDH dans poche. Je dis à me prendre tout EDH dans la poche, mon son vient baou le peuple là. Mettez EDH dans poche. Ça veut dire EDH ça, que tout le monde te séparé. Parce que c'est comme ça paye à eux là. Chaque monde gonti mosso. Pour EDH, je retire tout petit mosso. Mais ce n'est pas simple, non, les fait. À quand pile goumé, peuple là. Je prends mon EDH qui est dans la poche. L'autre monde, je ne sais pas qui est couleur. Je ne sais pas qui est la richesse. De vous, vous avez mon EDH dans mon pour te venir. Parce que je dis, c'est moins peuple là. Baille pouvoir vous diriger. Et c'est pour ça, nous prenons charge, nous prenons responsabilité pour tout mon EDH qui est dans la poche, tout le monde. Nous prenons une portée pour le peuple là. Et c'est ça que nous faisons. Et c'est pour ça, je profite de l'occasion pour me faire un gros coup de chapeau à chaque emploi EDH. Depuis, Octon, rivé juste dans le directeur général là, qui décide, font travail pour prendre EDH. Moi, c'est notre tombe l'idée. Oui. Moi, c'est un miracle. EDH, tant. DGA, même, un gros français, il dit, en hibernation, ça veut dire, c'était un petit souffle. Mais maintenant, DGA, c'est un miracle, en fait, là. Est-ce que c'est un miracle parce que c'est un EDH? Moi-même, je parle avec des fonctionnaires.
qui n'a aidé, parce que je n'ai pas oublié, besoin de monde qui parle à camper le monde. Je dis, mais pas les quoi ça ouais. Je ne parle pas d'accord si aider à Jodia. Jérémy a poussé courant 18 ans de voir jour. Jacques Mel, Tigouave, Akin, vieux Bouddha Akin, Okaï. Je ne parle pas quoi. Et même dit nous, Jodia, moun sa ou sa haïtien, oui. Ingénieur qui travaille dans IDH. Tout le travail que nous avons fait là, c'est des ingénieurs haïtiens qui travaillent. Pour aider à servir le capteur pour le peuple, le capteur pour vous. C'est ça que je dis, nous, chaque temps nous, aujourd'hui, il y a un technicien EDH avec logo, DGA, il va le retirer. Fond noir là. Fond noir là, parce que si nous bien regardé dans le DGA là, dans le DGA, ça veut dire Haïti en noir. Aujourd'hui, son pays en black à vous. N'a pas retiré Haïti en noir, n'a pas mis Haïti en vert. En vert. Ça veut dire, c'est pour me dire que. C'est ça nous venons faire et c'est lui. Nous prenons une décision pour nous porter pour nous électrifier tout le pays. Et nous n'en bas nord-ouest. Pas oublier me dire hier soir Jean Abel, nous pourrons interconnecter communes, Bombardopolis, B2N, Molle Saint-Nicolas avec Jean Abel ensemble. Et nous pourrons construire réseau électrique. Localité Marouge. Nous pourrons construire réseau électrique, localité et bord de mer de Jean Abel. Et moi demandé DGA pour interconnexion en fait triphasé. Nouvelle m'le banou tout. Hier m'te al visiter entreprise privée qui a produit courant pour zone là, c'est Sigoa. Moi wè un paquet équipement DG. Yo gen grue, yo gen nacelle, yo gen tout bagaille. Ça veut dire ça me comprendre gon partenariat pas le fait entre EDH et au même pour rapidement pour nous pour accessoire avec en fait supervision EDH. Mais Mounsa, ah, mais ça c'est nouveau logo. Voilà. Voilà. Ça veut dire, son lot EDH, son EDH qui sortit noir, ok, qui jodi a, qui vini vert. Et nous, quand nous brisons vert là, peuple là, c'est parce que si nous songez, moi fait pour un décret, en septembre là, moi créé fondaire. Fondaire, c'est le fonds de développement des énergies renouvelables. Ça veut dire aujourd'hui, nous avons soleil à la place. Nous avons vent à la place. Nous avons l'eau à la place. Nous avons fatra, tout parce que biomasse. Place. Ça veut dire, mais comme soleil là, développement technologie solaire aujourd'hui, c'est les mêmes qui plus bon marché. C'est pour ça qu'il plus avancé tout. Nous servir avec soleil là, nous parlons couplé. Toute centrale nous sommes dit là. Nous parlons couplé avec énergie solaire. Pour nous boire une production d'énergie électrique au KPE, qui est stable et puis qui respecte l'environnement. Songez, mot d'ordre là, pour un, pas venir pour compter, c'est produit ou produit, il faut payer courant. Parce que si pour ça fait mettre courant, nous tout disons ça, avec l'équipe ça, nous avons mis courant dans le pays, le courant disponible pour et ceci. Chaque période, il y a une grosse nouvelle qui va tomber. Il y a une autre nouvelle que je vais l'annoncer. L'autre semaine, je vais l'annoncer. Mais il y a une grosse nouvelle qui va tomber. Parce que moins d'îles. Pour voir côté bon moyen, c'est tout le pays qui va gagner 24 sur 24. Les gens qui étaient dans la section communale, yo, pas oublier le travail qui t'a fait depuis 2 ans et demi. Qui t'a pris une base de données pour qu'on ait exactement tout le monde qui était dans la section communale, nous avons arrivé à 250 000 familles. Familles, ça, nous n'avons pas oublié nous pour le programme Kaipam Cléria. Nous connaissons 10 500 familles, nous avons fait nos projets pilotes déjà. Toute section communale, surtout le monde dans le sud-est, c'est le sud-est qui est champion déjà. C'est eux-mêmes qui sont même ministre, c'est eux qui en premier. Toutes 50 sections communales dans le département sud-est, ils baillent en fait nos familles déjà. Ils nous comptent localisation et tout. Ça veut dire, nous travaillons pour que Kaipam Cléria, à partir de fonds d'air là, que nous créons, le fonds de développement des énergies renouvelables, pour arriver là, nous connaissons que d'autres bailleurs, d'autres partenaires techniques et financiers qui ont aidé nous, qui, à travers ANAC, nous connaissons à travers IDH, nous connaissons qu'on est au courant déjà, pour permettre qu'à partir de mois, janvier là, nous commençons à arriver sous frein ou action dans la section communale. Parce que je ne dis pas, courant pas fait pour la ville seulement, il est fait pour vous-même, qui vivent loin, 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 loin.
nous travaillons pour nous porter courant, mais pas oublier ça, je me toujours dit, courant pas gratis, faut nous payer. Ministre, première question, c'est dans tout le pays, il est connu que Nord-Ouest, là, port de paix, c'est un côté qui était en termes d'infrastructure routière, qui était très pauvre, donc à dire, et depuis l'administration. Et le président Jovenel Moïse l'a monté sous pouvoir, c'est une mission que le bat li pour permettre que reste pays accessible à port de paix, ou bien port de paix accessible à reste pays. Et dans ce sens, il y a un travail qui commençait. Nous voyons la télévision ou les images tout le temps. Et c'est des travaux qui commençaient depuis quelques temps. Il y a des travaux qui sont sous compte deux départements, nous d'accord. Mais qui ça fait jusqu'à présent, nous pouvons jouer une route là qui finit. Comment il n'y a pas avancé, qui côté bloqué et qui deadline que y a la population pour réalisation ça est capable de venir réalité pour la population nord-ouest, la population port de paix capable de jouer différents travails, ça que y a suivre, cap développer, mais il n'y a pas fini. Bonsoir DG. Oui, bonsoir téléspectateurs, télévision nationale. Je pense que... Bonsoir tout le monde qui est sur le panel là, ministre en particulier, président Christian. D'abord, Kétia. Le ministre Kétia, notre Kétia. Et mon ami est le directeur départemental. Donc son plaisir là pour nous partager et avec la population et information sur ce qu'a fait, côté nous et qui ça va attendre et dans quel délai on va attendre. Donc, à travers la question, parce que nous avons précisé et plus ou moins pour vous, ça va fait. Merci. Bonsoir Didiano. Bonsoir, monsieur le ministre, bonsoir, monsieur le directeur général, et bonsoir à la population. Eh bien, nous n'avons pas perdu du temps. Nous, avec le ministre, nous sommes présentés là avec la population. Ministre, première question, c'est dans tout le pays, il connaît que Nord-Ouest, là, port de paix, c'est un côté qui était en termes d'infrastructure routière, qui était très pauvre, donc à dire. Et depuis l'administration, président Jovenel Moïse l'a monté sous pouvoir, c'est une mission que le bat li pour permettre que reste pays accessible à port de paix, ou bien port de paix accessible à reste pays. Et dans ce sens, il y a un travail qui commençait. Nous voyons la télévision ou les images tout le temps. Et c'est des travaux qui commençaient depuis quelques temps. Des travaux qui sous compte deux départements, nous d'accord. Mais qui ça fait jusqu'à présent, nous pouvons jouer une route là qui finit. Tout à l'heure, nous avons parlé de ça. Et nous sommes juste des premiers personnes qui ont commencé à travailler. Quoique nous devions financement international. Mais pas dire que les populations, c'est les femmes qui escapent. Et il n'y a pas qui escape, qui a balé route. Et l'INA route réalisée. Est-ce que c'est international qui a financé pour nous? Est-ce que c'est le trésor public? L'IMENU par contre, c'est route est réalisée. À ce titre, encore, et Angelo commence. Et l'international encore fait longtemps, nous attaquer. Nous attaquer sur 80 km. Sur 80 km, vous connaissez 80 km route, c'est bon, c'est pas. Et accompagné d'Angelo, de mon beau garçon qui est Zidoc, qui vient à travailler avec, et bien, on a travaillé dans trois volets. Donc, route là pas avancé. Et je crois que tout le monde qui va dire commencer hier. Donc, longtemps pour venir sortir 4 jours pour entrer pour des paix, c'est un casse-tête chinois, c'était tout un mystère. Mais je vous dis, route là pas continue certes, mais mon Dieu, dans peu de temps, il va atteindre Bilioa. Moi, je commence à content. Et en dedans, il y a un travail. Et où est le boulevard Capalamona, il commence à rouler. Tant que je dis non, c'est pour la première fois, asphalte a pété dans le port de paix. Donc, nous avons un système de drainage, nous avons rectifié ou bien nous avons reconstruit totalement. Donc, le travail a fait que ça. C'est il y a plein de temps, c'est pas. En centrale, il commence dans moins de 2 mois qui quantité de travail de paix et la population garantie dans moins de bonne partie de notre sang, donc pour des paix et bassin bleu et sans sol et on s'affouleur, tout ça. C'est des, non pas des miracles,
n'a pas montré mon nom, les non-développés synergiens, nos jeunes moyens, mais les compétences qui travaillent qui appellent. Oui, bien sûr, on a rentré dans le domaine énergie à tout à l'heure, mais on a toujours été dans le cadre des infrastructures, notamment RN5 que on a parlé, qui c'est un rêve pour le monde et pour le pays, le nord-ouest. Et où on a dit route là, la pas avancé. Nous-mêmes, pendant nous sur route là, nous avons tout le matériel, nous avons avancé au cap fait. Mais quelque part, on a une partie qui fait déjà, des fois, on a l'impression qu'on a une dégradation au niveau ça. Qui côté et d'Acadie et appressement pas mettre. Non, pas dégradation, ça a dit par contre, on n'entend pas dégradation. Par exemple, et au niveau côté pour joindre déviation, yo, il n'est pas indiqué et ou bien les personnes qui sont en partie qui négligent. Ou bien doit avoir un petit problème de visibilité 7, nous constatons, nous avons corrigé. Leur travail, c'est même un devoir à faire une dissertation, on finit faire dissertation. S'il y a des corrections, on fait correction. Donc, s'il m'a dit traitement de ou après traitement, l'essentiel dans un premier temps n'a pas avancé. Et puis tout le temps, on va essayer des problèmes de drainage. Nous avancé, nous retournons là-dedans, on n'a pas avancé dans le cadre de ça. C'est-à-dire, toute considération qui dépend, et on équipe de puissance qui travaille dans le bureau, sous le chantier, partout, qui a conseil pour nous arriver là-bas. Une chose qui est certaine, avant 7 février 2022, on a pris le route. N'a pas livré 4 jours pour DPR. N'a pas mis tout et battre en œuvre pour nous arriver par le monde et pour de paix. Pour de paix, pardon, satisfaction ça. Ils ont commencé quoi? Les arbres à béton ou bien là, ils ont commencé, donc vous déjà dit, nous direz que pas de paix, c'est au match, les ouais ou quoi. Les ouais nous venons avec 4 et gros monde de génératrice là. Tout le monde qui est déjà installé, prêt pour le balcon avant 7 février, le balcon 24 sur 24, il commence à nous jouer. Et comme des fait, depuis que nous avons cherché plus ça dans le fond de la mer, nous avons montré, nous avons prouvé que nous avons joué. Et quand on a baillé, nous avons fait. C'est pas seulement la route nationale numéro 5 là, que les travaux publics ont travaillé sur lui, qui peut mener pour le père, mais qui travaille en dedans pour le père et tout. Différents tours, moi j'ai un travail qui commence à faire là-dedans, qui s'en va communiquer à la population aussi. Et tout à l'heure, il y a Angelo qui est directeur départemental là, les soins de dire tout petit coin de travail, un système de drainage, il n'y a plus de problème. Et pour des pays confrontés, son problème de drainage. Et on connaît notre par monde, et puis son point qui est très très bas par rapport au niveau de la mer. Là. Depuis que la pluie tombée, tout le monde s'est à la donne, je dis. Hein. Moi, je suis en cas de tout système de drainage là, pour le prendre loin, pour le prendre dans la mer. Là. Et il commence et boulevard des Trois Rivières, le boulevard après la mort, je dis en là, il commence à mettre en roue la donne. Moi, je suis en 20 mois, décembre, on a fini, nous avons passé un bon Noël dans le port de paix. Il a commencé à rentrer pour des paix par le bel. Et depuis que nous avons rentré tout à l'heure, président, à tout nous-mêmes, qui était sorti et bassin bleu pour être par le conseil de direction avec et Angelo, Tidoc et tout le monde qui a travaillé dans la zone. Rapidité pour notre travail, pour, depuis que nous avons commencé à arriver au bassin bleu, il faut sentir pour des pêches changer. C'est-à-dire, l'immander pour nous mettre et pour des pêches tout en noir. Tout en noir, c'est-à-dire, corps des chaussées en noir. Mais ce qui veut dire que le problème de drainage là, nous jouons une solution. Mais pas bien, le problème de drainage, c'est va être très important, il doit travailler. C'est-à-dire, Angelo a fait de gros travail, mais il y a bien l'impression de faire. Parce que le problème de drainage, c'est l'aile parfaite ou le problème. Là. Mais l'aile faite ou pas. C'est comme nous. Si on parle, on va prendre l'importance. Si tu es en bas, on va prendre le problème de drainage. Le problème de drainage, la résoudre, c'est comme si on ne va pas rien. Alors ce que nous, dès qu'on dit notre travail, on va prendre une équipe pour nous laver comme ça. Je veux dire, un premier camion en OB, il était dans le boulevard à la Mola. Nous ne manquons pas de bravo, devient l'air, finalement, et Jean-Noël vient avec nous, et tout le monde content. Donc, les vini avec un OB, moi je crois que tout le monde commence à être content. Et on va ça continuer jusqu'à ce que nous avons fini notre plan. Et nous allons garantir, avant 7 février 2022, qu'il y a plein de merveilles en dépôt de paix. Et pour l'infrastructure en dépôt de paix, vous parlez de en 20 décembre, non fini. Et moi, je ne suis pas révélé du tout. C'est des groupes qui sont en débattu.
mais route principale, et ensuite pour nous attaquer, pour ne pas gagner des rêves, pour nous avancer dans le port de paix, et nous avons garanti le port de paix à Pion dans la ville, et qui est plus belle. Au départ, c'est une ville qui est plus ça, mais nous avons garanti tout le port de paix qui a gardé la ville, nous avons parlé dans la ville qui est plus belle, et en ville, il y a vraiment aimé, qu'elle soit côté. Vous avez été NH, nous avons rappelé nous en direct depuis Port de Paix, nous avons fait une émission spéciale dans le cadre des programmes SIPAGLA. Et sous panel, là, m'a rappelé, nous avons avec nous ministre des Travaux publics là, mais nous avons avec nous directeur général EDH là tout, nous avons DDNO Travaux publics là qui est avec nous. Nous sommes parlé de différentes infrastructures routières qui ont fait, que ce soit sous National 5 là, qui pour relier et Gonaïve avec Port de Paix et pour qui continuer, mais tout travail qui a fait en dans la ville là. Deux bagailles qui fait développement, c'est route et c'est électricité. Mais pour gagner bon route ou gagner électricité, business qui a marché, tout bagaille qui a fonctionné. Et c'est comme ça, nous avons avec nous, directeur général EDH là, sous table là. Port de Paix, c'est un ancien central, selon ça, nous dit, ça lui dit nous, mais qui datait de plusieurs décades, pour me répéter, directeur général là. Mais pour qu'on y ait, l'administration a décidé de construire une centrale tout neuf dans Port de Paix. Le ministre a dit belle bagaille DG. Oui, merci beaucoup. En réalité, nous avons présenté la mieux que nous toutes là. Mais c'est vrai que pas de développement sans infrastructure. Et donc, le problème fondamental là, c'est comment on prioriser l'infrastructure. Et mobilité sont bien importants, éclairage sont bien importants. Donc, les ministres publics là, avec toute équipe, li, à attaquer les problèmes de mobilité, de déplacement, faciliter le par des infrastructures routières, il faut y accompagner de l'autre infrastructure. Évidemment, l'infrastructure électrique, ce n'est pas la dernière infrastructure, on gagne de l'eau, tout qui est un élément important, on gagne communication qui est un élément important, tout. Mais on gagne tout ça, si on gagne énergie, on ne peut pas marcher. Donc, c'est dans ce sens-là que le président, dans la vision globale que les gagnants, depuis la campagne d'ailleurs, il a parlé de l'électrification de pays. Hein. Je pense que toute autorité, président ou premier ministre, qui respecte Tétio, pas qu'à faire l'économie de ne pas penser que l'énergie électrique sont bagages qui sont fondamentales. Et donc, c'est une vision, son vision qui a fait sur le temps. Mais comme nous n'avons pas de temps, nous tellement en retard, il faut accélérer. Donc, un bon projet qui a fait à travers le pays, hein, mais Port de Paix, compte tenu de ce qu'on dit avant que nous comprenions, tout que le président comprenne, c'est des villes, qui, c'est des départements, c'est des villes qui sont délaissées, abandonnées, ignorées. On a dit que Port de Paix a dégagé. Et donc, de penser que c'était important pendant qu'il y a parlé de ces problèmes de la parole, c'est pour l'énergie. C'est dans ce sens-là que le président pensait que la meilleure façon pour faire, c'est que l'IDH construit une centrale neuve dans le port de Paix. Centrale neuve là, c'est un aéroport, il y aurait un hub qui a desservi une bonne localité. Donc, il n'est pas construit uniquement pour le port de Paix, mais ville, commune qui est aux environs du port de Paix. Central, ça, c'est pour Yodou. En d'autres termes, c'est ça qui fait que nous parlons, le ministre se parle, le président qui parle après-midi et plusieurs fois avant, de la nécessité de problèmes de connectivité. Donc, central, ça, la permettre que nous connecter de Bassin Bleu, Champsaur, Port de Paix, bien sûr, et Saint-Louis du Nord, en sa fouleur, et Palmis, les Palmis. Aussi, etc. Donc, une bonne localité entre différentes communes ça, que nous pouvons traverser, que nous avons fait. Donc, c'est dans ce sens-là. Nous commençons centrale-là. On a fait les études et nous commençons centrale-là. En réalité, nous dérapons bon, ici le 15 octobre, mais nous commençons le travail 24 heures après, le 16 octobre. Donc, on a remarqué que nous avons gagné 2 mois. Et les images qu'on a là, qui ont montré qu'ils travaillent, qu'ils font, dans des conditions très difficiles.
que centrale et port de paix en construction, il y a plusieurs lots dans la ville qui connectent à port de paix. Absolument. Absolument. Parce que côté pour transporter courant, la carrière de Salvador. C'est exactement ça. C'est ça que je dis que centrale là qui construit contre l'IA, l'idée est pour nous servir Port de Paix et l'autre commune qui est aux environs de Port de Paix. Donc pour nous faire ça, là nous prenons puissance ça, nous produisons, il faut que nous transporter à Jouemonio. Donc on va le voir très prochainement, on tourne là, ou après des travaux de réseau qui ont fait. Cap sorti la saline, c'est-à-dire la centrale, nouvelle centrale là, la rentrée dans Port-de-Paix, et puis la dispatch à partir de Port-de-Paix, les pour aller dans la direction Chansol et Bassin Bleu, et la pointe direction Saint-Louis du Nord en Safoleur. Donc tout travail, ça, nous allons gagner au moins 4 ou 5 équipes qui peuvent mobiliser en même temps, qui peuvent aller travailler sur les réseaux ça, pour que nous fassions projet véritablement un projet que. Qui baille mon lieu et satisfaction, c'est-à-dire satisfaire de mon lieu. Mais permettre que m'ajouter un bagage. Parce que c'est facile en Haïti, dès qu'on parle de projets que l'État a fait, a financé, et mon lieu toujours mon tendance de penser que, bon, l'État a fait, c'est pour nous, etc. C'est vrai, c'est pour nous. C'est une infrastructure que vous mettez qui donne nous accès à des services. Comme ça se fait dans tout pays du monde. Mais accès à ce que nous avons construit, que l'infrastructure, ce qu'on a construit, l'écoute énormément. Et donc, si le monde qui a servi avec cette infrastructure, c'est-à-dire courant, ça, en retour, il n'est pas payé, si minimum que nous demandons là, nous ne pouvons pas continuer. Nous avons une très belle centrale, et puis après un an, président Jovenel, après un an et demi, deux ans, président Jovenel parle encore sur notre monde divini, eh bien, nous ne sommes pas obligés de la priorité. Mais si nous continuons à payer pour le service que nous garantissons, que quel que soit le gouvernement qui vient là, eh bien, son infrastructure qui a continué à servir nous, tant pour le développement économique ville que pour le développement social nous, tout. Parce que l'éducation dépend fondamentalement de l'énergie aujourd'hui. Et avec Internet, eh bien, si nous avons accès à même niveau de formation, qu'on est qui est un grand pays au monde, qui est une grande université au monde. Donc l'énergie est fondamentale pour eux, mais il faut reconnaître, il faut préserver, il faut protéger, il faut payer pour que nous continuions à bailler. Parlant de centrales qui a construit dans le port de PA, il y a des gens qui ont dit que ce n'est pas la première fois que nous avons une centrale qui a construit, qui fait sous tel président, qui fait sous tel président, mais le problème est toujours persisté. Et si nous parlons de spécificité centrale qu'a construit dans le port de paix, et comment la PA rapidement, depuis le fini, servit la population le fait pour l'IA. Ce sont très belles questions et que nous regardons finiment, parce que dans foulée, d'abord, élément ça, qui est un élément important. Premièrement, son centrale qui les gagne une partie thermique, c'est-à-dire nous avons des moteurs qui ont utilisé fuel, carburant, pour générer l'électricité, et bien nous avons une partie solaire qui a couplé ensemble. Partie thermique, là, je dis, là, nous avons 8 MW de nouvelles génératrices, et nous avons deux génératrices dans l'ancienne centrale là qui fait 2,25 MW. Évidemment, ce sont des anciens groupes que vous avez, qui demandent des réparations majeures et d'entretien, etc. Que si nous faisons, nous sommes capables d'ajouter sous ça, nous avons déjà 10,25 MW thermique. Ensuite, nous avons une centrale sous même site que nous avons construit, qui est déjà étudiée, déjà, nous avons pu implémenter. En même temps, nous avons fait ça. Nous parlerons très prochainement des activités pour installer le système solaire là-dedans. Nous avons commencé à 2 MW et plus de demande là pour augmenter, nous avons augmenté le tout. Donc, en d'autres termes, nous parlons partie à 10 MW. Ok, solaire et thermique. Et là, nous finirons par les groupes, ça, nous mettons, n'a pas parti à 12,25 MW, qui est largement suffisant à la demande que nous avons aujourd'hui. Ok? Et demande ça, c'est pas zone résidentielle seulement là-bas. Zone commerciale. Là, n'a pas les zones commerciales là. Tout le monde qui a fait business, tout le monde qui a une banque, etc. Il y a bien l'électricité qui est sûre que vous avez compté sous lui, qui n'est pas varier pour que le métier équipement est en danger.
n'a pas eu garantie ça yo n'a faire mais pour nous faire encore une fois faut que les centrales là changer la mentalité là faut gagner mécanisme qui est là parce que même gens la réclamer courant c'est même gens faut payer pour les c'est pour ça que dit il y a un plan et le plan c'est que il y a partie technique là et partie commerciale là c'est qui ça lié en réalité et d'accord avec vous moi-même là quand même son client il est acheté moi-même c'est différent ou c'est différent les EDH pas même facture là bon bon bah qui dit on consomme courant quand même donc malin font chèque m'bay m'ka payer plus m'ka payer moins même faire effort mais tout le monde pas faire comme ça donc pour les bail nous gain pour nous faire du côté commercial là il faut que nous répondre à la demande mon yoto en d'autres termes dans pile monde qui pas payer prend prise c'est parce qu'il pas compte il pas compte faut nous bail possibilité pour le compte. Deuxièmement, il y a plein de monde qui ne peut pas payer tout parce qu'il n'y a pas une facture à temps. Donc il faut nous rassurer. Il n'y a pas obligé de bout de papier. Je peux, il y a, la technologie nous permet aujourd'hui de dire que ou gagnons un compte avec nous, et bien nous voyons juste un message bas électronique. Moi, je dis que mes consommations là, mes états de compte, mes combien quoi pour toi. Aussi simple que ça. Donc ça fait un travail sur nous. Troisièmement, nous avons un problème de service à la clientèle là. Parce que nous avons vendu service de réseau, il y a un problème que nous ne pouvons pas comprendre, c'est que le client qui a des services, il y a un problème chaque jour. Il y a un problème de satisfaction, il y a un problème d'insatisfaction. Donc là, il faut exprimer l'une ou l'autre, il faut qu'il y ait du monde qui va la réponse à ça. Donc il faut que nous gagnions un service que nous-mêmes pensons qu'un call center professionnel qu'on est capable de faire dans n'importe quel pays du monde, 24 sur 24, et que mon à l'étranger, que mon etc., les pays. Quatrième, là, c'est que, aujourd'hui, il y a pile de monde qui a un compteur, qui a des difficultés pour payer. Mais, même pour ça, qui a un compteur, il y a un monde à l'étranger qui font mieux, qui occupe de cailloux, qui occupe de petits tuyaux pour eux. Monde ça, qui est sensible pour eux en même temps, il n'y a pas qu'il y a des difficultés pour les 15 dollars ou 20 dollars par mois pour le payer, pour le gagner au compteur. Donc, il faut que nous remettions un système en place, côté quel que soit le monde dans ce territoire. Je ne vais pas quitter le pays aujourd'hui, mon compteur continue à payer sans que je m'oblige à venir. Ok? Ça, c'est le troisième bail. Quatrièmement, cinquièmement, et finalement, on pensait que, et c'est ça que nous voulons le faire, c'est qu'il faut un service de collecte que nous permettre que nous ayons toute qualité des monde qui gagne nos services et qui a collecté pour nous. Ou qu'à payer mobile, ou qu'à payer par chèque, ou qu'à payer par crédit carte, mais ou qu'à payer ou qu'on business, ou qu'on accord avec EDH, ou qu'on plateforme, et pour payer, nous avons payé. Et puis, bon pourcentage. Parce que ce qui m'intéresse, moi, c'est le recouvrement. Si ma 40%, 35% de recouvrement, et mais je préfère payer à des agences de m'aider à recouvrir, et puis me faire 80%, me faire 85%, me faire 90%, ce qu'on comprend. Et finalement, il faut qu'on passe le plus rapidement possible dans les compteurs prépayés. Moi-même, le directeur général Téléco, je me garantis que les institutions internationales te disent à un moment donné, cette mission est impossible. Mon mieux pas bien quoi pour payer, pour passer. Les gens donnent 2G pour nous donner mal en 3G. Et me rappeler que me désigner Gaïf CEO, vous n'avez pas compris le pays du tout. Je dis à ce gars, il a perdu vie, etc. Dans toute Caraïbe, là, c'est Haïti, il fait beaucoup plus d'argent. Okay? Donc, voici le plan, en fait, de ça que nous avons mis dehors pour nous permettre que nous fassions le plus de recouvrement. Mais si nous passons avec un ancien modèle que nous avons dans l'IDH, je dis, hein, pour mettre le monde tout sauvé, même si vous avez de bonne volonté, il n'y a pas de payer. Donc, voilà le plan. En 6 points que nous allons mettre en place rapidement pour que nous permettre que nous facilitons mieux payer. Mais nous disons tout le monde, écoute, sous papier et tout, voilà ce qui va se passer. Okay? Donc, soyez assurés que le compteur que vous avez avec nous, nous allons nous assurer de boire plus que 5 heures de courant par jour. Nous voulons boire 18 heures, 20 heures, 24 heures de courant par jour. Mais, Nabi, tant pis, mon chéri, s'il te plaît, vous voyez petit cobla pour nous, pour faire tout ça. Parce que c'est important pour nous faire. Là, on parle des compteurs qu'on a actuellement. C'est ça. Donc, mais le système prépayé, ce n'est pas encore. C'est un projet à l'étude. C'est, non, non, c'est un projet qui gagne, un projet pilote qui fait sous déjà et qui était successful. C'était vraiment un succès extraordinaire. Mais les différentes conditions de l'EDH à l'époque et des pays ont fait que. Parce que investir dans le compteur prépayé, c'est énormément cher.
Or, nous-mêmes, si nous jouons nos partenaires, c'est partenaire qui fait investissement. Nous, il fait investissement, il touche comme lui, nous-mêmes, nous touchons comme panneau. Quoi, par exemple, nous? Donc, je dis, c'est sur ça que nous travaillons pour que nous implémentions le projet. Ça. Évidemment, nous allons commencer à 40 000, 50 000, 70 000, 70 000 compteurs. Mais donc, l'objectif à très moyen et court terme, c'est d'arriver à 400 et 500 000 compteurs rapidement. Et plus nous avons courant, plus on a plus de courant. Parce que ce qu'ils produisent là maintenant, ce que ça leur coûte pour que le produit courant aujourd'hui, là, les exorbitants, ou bien soleil la CAO, ou bien inverter la CAO, ou bien génératrice la CAO, etc., c'est très coûteux. Donc si on a un courant fiable, il n'y a pas aucune raison pour faire l'autre dépense. Donc c'est un pendant qu'on a produit, on a travaillé sur production, on a travaillé sur commercial là tout pour nous matériel. Oui, dernière question pour question électricité dans le bord de PA. Actuellement, combien heures bord de paix recevoir par jour et d'ici janvier, combien heures bord de paix pralo recevoir? Ok. Et alors, nous commençons par la dernière question, parce que le ministre de l'Île. Là, nous finissons central, là, nous avons gagné 4 à 5 fois plus courant que bord de paix 2 heures pour le faire. Donc, si nous avons le courant 24 sur 24, nous avons gaspillé. Donc, le central, ça a fini de faire, nous avons une capacité pour nous bailler le courant 24 sur 24. Ok. Éclairage public, tout le bagage, évidemment, nous faisons un accord américain pour payer. Pour m'éclairer toute la rue honnête. J'ai capacité de faire tout ça. Ok? Donc, aujourd'hui, nous avons un groupe qui est tombé. Normalement, il y en a 18 heures par jour. Tout. Comme le groupe est tellement en panne souvent, il y a 18 heures à tout, et bien, le groupe est tombé. Donc, il faut que vous voyez une mission, il faut changer de pièce. Parfois, il faut pas changer de pièce en Haïti, etc. Donc, il n'est pas aussi performant que l'autre côté. Parce que je dis, on m'a dit ça, nous ne sommes pas obligés de faire tous les deux travail en même temps. Ce qui fait que je ne peux pas maintenir 18 heures de temps, j'en d'avril. Donc, je travaille deux groupes pour me faire business sur le plus de courant pendant la journée. Et puis, je coupe les et puis le soir, comme il y a deux moins, et puis nous travaillons en groupe pour nous reposer, pour nous ne pas tomber trop vite. Donc, c'est la situation là, c'est un live support pour nous. Pour que mes vieux groupes à marcher en attendant que nous fassions ça. Oui, et Angelo Horacius, et merci et BG Michel Présumé pour toute édification ça que vous portez pour la population, particulièrement pour les qui sont dans le nord-ouest, pour les qui vivent dans le port de paix, pour qu'on connaître comment aider à chaque pensée pour eux, et travailler qui commence, comment ça a avancé. Je pense que vous assez édifié. Vous avez un port de paix qui parle à eux, qui est en dehors, soit qui a gardé à l'étranger, qui a gardé TNH, qui a au moins, vous connaissez des activités qui ont entreprendre dans la ville en façon pour vous venir. Là, nous allons parler avec qui face à la population, qui travaille, qui entreprend le travail pour lui. Point de paix, 355 ans pour le fêter là. Et le travail a commencé, qui garantit aux la population. Pendant la fête en décembre, là, la joindre des ouvrages qui commencent à parler. Bon, effectivement, nous à pied d'or, constaté aujourd'hui, nous commençons à mettre en obé sur la principale avenue, qui c'est l'avenue des Trois-Rivières ou encore l'avenue Capois. Qui en véritable, c'est un véritable défi dans la mesure où c'est une zone marécageuse et depuis toujours que 33 km qui sont capables à la mort là. Donc c'est un gros avantage pour nous des jeunes, pour nous être capables de faire un enrouchement, pour nous être capables de sortir de la rivière. Actuellement, nous mettons hors d'eau. Ce qui veut dire que nous quittons la boue en bas, nous construisons la rivière là sous roche, ensuite nous remblayons, ensuite nous mettons géotextile, nous avons la boue et médité en bas. Et qui ça qui permet nous que jeudi à nous asphalter, nous commencer à mettre bébé, ensuite bébé, sur 1,3 km pour le moment. Yo, filtre coupe de paix, il y a combien de rues principales? Oui, effectivement, mais il faut commencer quelque part. Dans la mesure où l'entrée principale, là, c'est l'avenue des Trois-Rivières, qui était considérée comme l'avenue, je dirais, peut-être la plus laide, peut-être, du pays. Insalubre et que je dis à le ministère des travaux publics voulait construire la voie la plus belle à la mesure où on a expérimenté un projet dans ces seules villes qui parlent d'une piste pour moto de 2,50 m à gauche et à droite. Donc ce qui veut dire donc réguler le trafic là, moto a passé et à gauche et à droite et à l'aller au-dessous. Avenue principale à la Expressway, dans la mesure où pas camper sur lui,
Donc, pour faire 1,3 km, ça, on va vous faire dans 3-4 minutes. Il va y avoir un bouteillage en province. Nous, les machines de la station des Unis, on a besoin de stationner à la descente, on a pris un caoutchouc sur le toit là, et on a pris un caoutchouc sur le chaussée de toit. Donc, et on a entré ville là, qui en général, que toute entrée ville, nous, on a toujours constaté qu'on offre un spectacle. Côté c'est des petits marchands, et c'est ma, petits marchands, mais c'est des marchands de mango, jus, papadap, etc. On dirait les 8 millions d'habitants, les 12 millions d'haïtiens, c'est ça nous fait pour toute ville. Nous. Je dis à le ministère de TBC, nous voulons innover dans la mesure où, rentrer ville là, nous parlons aménager des jardins secs, de grosses pierres, pour nous mettre des plantes, de façon que nous ne pouvons pas rentrer. Ville qui digne, qui propre, qui potable. Mais pendant qu'on entreprend le travail, ça, yo, comment on est-ce que tu as fait? Pour moi, c'était un acheteur là, où tu regardé, les images sont là, que comment la population a accueilli toute autorité qui vient dans la ville là. Eh bien, merci, n'a pas rappelé Mounio, dans le cadre du programme CIPAGLA, qui c'est une structure qui l'a. Qui pour permettre nous communiquer avec la population sous différents travaux que l'administration actuelle l'a réalisé. C'est pas pour de paix qui première émission que nous faisons dans le cadre du programme CIPAGLA. Nous avons rencontré plusieurs et nous faisons avec le ministre de l'Agriculture déjà. Et fait toi avec directeur général média l'État qui t'a parlé de importance et comment vous aider pour un programme ça plus performant. Mais jodia nous t'ai décidé mettre projecteur sous ville Port de Paix et nous t'ai gain avec nous ministre travaux publics là Joazé Nader ingénieur, nous t'ai gain avec nous directeur général EDH là Michel Présumé qui t'a parlé nom de centrale électrique tout neuf que ville Port de Paix pral gagner et toute l'autre qui centrale connect qui va permettre que l'autre ville yo joigne bénéficier de centrale mais ça qui va gagner dans Port de Paix et lui parler nous dit nous que c'est une centrale hybride que la pied c'est-à-dire il pas même genre avec ancien centrale que nous connaissons c'est comme si la à la fois à pile et à courant pour montrer que administration qui l'a innové elle voulait bail. Le bleu ça, côté motocyclette, je ne passe pas, piéton, je ne passe pas, machine, je ne passe pas. Justement. C'est très important, mais Angelo manqué et accentué sur ça, pour dépasser les premières villes qui bénéficient de l'espace ça. Voilà, c'est le ministre qui dit tout le bagaille. Ma remercier. Trois grands commis l'État Sao qui te fait déplacement, mettez disponible pour te venir parler avec la population. Pour le Père fêter 355 ans, est-ce que nous avons des mots de souhait pour venir ça? Bon, ça nous dit, mon Père, en guise de souhait, c'est qu'actuellement, même si mon Père ne doit pas avoir travail, mais il y a des travaux de fourmis qui ont réalisé. Actuellement, nous construisons près de 15 dallos et nous attaquons 16e dallos de Port de Paix jusqu'à Robert. Et mine de rien, il y a près de 1800 mètres linéaires de caniveau qui construit, et de 2700 mètres linéaires et mètres carrés de caniveau. Nous avons construit, nous avons travaillé sur Andro jusqu'à Port de Paix. Autant de travaux qu'a exécuté du côté de Naaman. Nous construisons des dégraveurs. Nous construisons près de 2000 mètres linéaires au canal. C'est autant de travaux qui n'ont pas bah, une visibilité. Mais l'on a mis en OBA. Oui, en phase de mettre en OBA, c'est là ça tout le monde content. Mais il y a de très gros préparatifs qu'on a fait pour que nous puissions aller très vite, très bientôt. Merci. Bon, écoutez, à l'occasion du 355e anniversaire de Villeport de Paix, en fait, le souhait que nous avons fait, c'est que les prochaines années qui viennent différentes de l'année passée, et ça veut dire que c'est une ville qui a souffert depuis 355 ans. Moi-même, j'étais comme Port de Paix, et dans les années 87, 88, 89,
Et c'est quand même une ville qui a des problèmes, mais c'est une ville qui est vivable. Je vous dis, nous sommes dans des difficultés énormes et je vous dis, il y a des efforts qui ont fait. Ça m'a souhaité que vous accompagniez les efforts, que vous compreniez les efforts pour que la ville continue à améliorer de jour en jour et que vous-même soyez capable de respirer davantage. C'est le souhait que je formule et je souhaite que vous attendiez et vous preniez en considération. Merci beaucoup. Pour l'entrée sur le moteur venu, nous ne pouvons pas perdre, mais non, non. C'est-à-dire le président Rebissouyo. Et le président te parle, pour bah, 24 sur 24 là, sont réalité. Avant 7 février, nous ne pouvons pas perdre. Si Carole a tourné net net. Route, pas de paix. Nous ne pouvons pas perdre qu'elle soit à côté de nous. Ville noire, à pion, la ville qui est plus belle. Tant nous avons fait de bien. Merci un peu. Merci à tout panéliste nous. Merci avec tout le monde qui était printemps pour suivre l'émission ça avec nous en direct sur télévision nationale d'Haïti. Merci à toute équipe technique là qui était avec nous. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour te attendre des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer petite cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous son babes à chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.